Joey, non. Tu ne peux pas partir. Si, je m'en vais. Et pour toujours. Je te promets de ne plus te reprocher quoi que ce soit. Voyons, ne t'en bats pas. Crois-moi, je ferai tout ce que tu voudras. C'est inutile, Hélène. Un jour ou l'autre, tu devais le savoir. Tu devrais penser à moi. Souviens-toi de ce temps-là, toutes ces années que nous avons passées tous les deux. J'espérais tant pouvoir devenir ta femme. Désolé. Je suis bien décidé, crois-moi. Joey! Joey, non, écoute-moi, je t'en supplie. Dis-moi, est-ce possible qu'il existe une femme capable de te rendre fou au point de te faire oublier tes promesses? Et pour qui? Pour une femme qui ne vaut pas cher! Joey! Joey! Voici, messieurs les jurés, le moment de la conclusion. Je dis qu'un amour désespéré peut transformer n'importe quelle femme et en faire un assassin. En fait, c'est exactement le cas de l'accusée Cathy Dalton. Non, je ne l'ai pas tuée. Et les dépositions de ceux qui vous ont vu tirer. Ce n'est pas vrai, il ment. Moi, je n'ai pas menti. Je l'ai vu disparaître et après s'enfuir en galopant. Le domestique qui arrivait à la maison juste à ce moment-là a très bien pu la voir. Oui, c'est vrai. J'ai entendu leur discussion. Le patron lui disait, vous pouvez me croire, que tout était bien terminé entre eux deux parce qu'il comptait se marier avec madame. Quand il s'est retourné pour partir, elle en a profité pour lui tirer dans le dos. Non, non, ce n'est pas vrai. Je vous dis qu'ils mentent tous les deux. Quand il a été tué, il venait me chercher. Nous devions partir de ce pays et cette fois définitivement. Je vous le répète, j'étais chez moi en train d'attendre. C'est alors qu'il est arrivé. Avez-vous quelqu'un qui pourrait témoigner que ça s'est passé ainsi? Non, puisque j'étais seule. Et je l'attendais, je vous le répète, pour partir avec lui. Il venait pour vous dire seulement qu'il se mariait avec Hélène. Non, non, tout est faux. À présent, c'est vous qui devez juger si cette femme est coupable ou innocente. Deux personnes affirment l'avoir vue tirer. Pour moi, les preuves sont suffisantes.
De plus, est-il besoin de préciser qu'elle est une Dalton? Et les Dalton, non, ne craignent pas de tirer quand ils se trouvent en présence d'un obstacle qui peut les gêner. Et comment agit son frère, Frank Dalton? C'est bien l'un des bandits les plus dangereux qui soit dans notre région. Tous ces crimes qu'il doit avoir sur la conscience ne pourraient être comptés, et pourquoi je vous le demande? Parce qu'il n'hésite pas, sachez-le, à tirer sur quelqu'un quand les choses ne vont pas comme il le voudrait. Et le vote secret qui appartient à chacun d'entre vous va décider du sort qui attend cet accusé. Seulement, je vous demande qu'il soit fait justice. Tous les jurés devront décider simplement, sans contrainte, en leur âme et conscience. Vous pouvez vous retirer pour délibérer. Coupable. Coupable. Innocente. Coupable. Innocente. Coupable. 4 votes coupables et 2 votes innocentes. En conséquence, condamnons l'accusée à 15 années de prison qu'elle accomplira dans le grand pénitencier fédéral. Je suis innocente. Je suis innocente. On ne peut pas me condamner. Je suis innocente! Je ne l'ai pas tué. Je jure que ce n'est pas moi. Dieu sait que je dis la vérité. Oh. Où est le shérif? Il est sûrement chez le docteur. C'est là, juste en face. Shérif. Qu'y a-t-il? Je viens de la part du shérif de Sacramento pour vous prévenir que Frank Dalton a été vu par là et il se dirigeait vers votre pays. C'est très bien, merci. Tu ne vas pas te mesurer avec lui? C'est une obligation, mais il ne peut rien m'arriver. Ne te préoccupe pas. Et qu'arrivera-t-il quand il saura que sa sœur est morte? Ce n'est la faute de personne. Non, ne prétends pas que tu pourras raisonner cette brute qu'est Frank Dalton. Cet homme n'est pas le genre à s'expliquer, voyons. Pourtant, il faudra bien qu'il m'écoute. Que peux-tu lui dire qu'il le sache déjà, Albert? Difficile, chère petite sœur. Mais pourquoi es-tu tombée amoureuse du shérif? Je ne suis pas tombée amoureuse du shérif, mais c'est l'homme que j'aime. Je suis forcée de faire respecter la loi. N'en parlons plus, il sait ce qu'il doit faire. Et à présent, je vous laisse. C'est l'heure des consultations. Il doit y avoir déjà dans le salon quelques vieilles filles délaissées. J'ai peur pour toi, Paul. Il ne se passera rien de grave, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Thank you.
Tu m'as fait gagner presque mon salaire d'un mois. Allez, hey, attends-moi. Bonjour, shérif. Bonjour. Toujours pareil? Qu'est-ce qu'il y a, shérif? Tu veux jouer une partie? Non, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Tu vas le savoir. Mes amis, je crois qu'il serait préférable que vous rentriez le plus tôt possible. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien pour l'instant. Et dans un moment, sans doute, arrivera ici Frank Dalton, le frère de Cathy. Je préférerais me trouver seul avec lui avant qu'il ne se passe quelque chose de grave. Peut-être voudra-t-il se venger sur tous ceux qui furent les jurés. Mais nous autres, quoi, ce n'est pas notre faute. À cet homme, on ne peut pas faire entendre raison. Pourquoi ne retournes-tu pas à ton ranch? Ça ne me paraît pas nécessaire. Faut surtout ne pas t'inquiéter. Les paysans pourront faire rentrer toutes nos vaches. Non, c'est sérieux, John. Va-t'en. Qu'est-ce que tu veux? Rester tout seul comme un héros? Non. Nous devons certainement mourir ensemble. Comme ça, ça coûtera moins cher pour les funérailles. Arrête tes plaisanteries, veux-tu, et va-t'en vite. Il paraît qu'il a la main presque aussi rapide que le coup d'œil. Probable qu'il ne voudra pas me le démontrer. Qu'est-ce que tu vas faire? L'arrêter quand il viendra? Je n'ai pas de preuves contre lui. Mais de toute manière, c'est un assassin, non? Je sais, c'est à moi de m'en charger. Pourtant, c'est Paul... l'ordre du shérif. Comment, tu es déjà de retour à la maison? Ce soir, tu n'as pas bu? C'est que j'aimerais pouvoir passer cette nuit près de toi. Ah, est-ce possible, après tant d'années? Voyons, mieux vaut tard que jamais.
vous attendais, Dalton. Il faut que je vous parle. Dites-moi d'abord où est ma sœur. Je viens pour la chercher. Accompagnez-moi, je vous prie. Vous savez où est Cathy? On m'a dit qu'elle avait été impliquée dans une sale affaire. Mais je tiens à vous prévenir qu'innocente ou coupable, moi, je vais la ramener. Vous arrivez trop tard. Quand elle a entendu la sentence la condamnant à 15 ans de prison, complètement désemparée, elle a tenté de fuir. En traversant la rue, une charrette avec des chevaux emballés l'a renversée. Elle est morte? Croyez-moi, je suis désolé. Je n'ai pas besoin de votre compassion. Tenez, voici les clés de la maison de votre sœur. C'est au numéro 4 de la rue principale. Ne croyez pas que sa mort ne sera pas vengée. Dalton, il est de mon devoir de vous dire autre chose. Ses toutes dernières paroles furent pour me jurer qu'elle était innocente. Je l'ai cru. Mais maintenant, on ne peut plus rien faire pour elle. Belle justice. Je vous préviens que je vais chercher le coupable. Et qui, à votre avis, est coupable? Celui qui a tué cet homme et qui a permis que l'on condamne Cathy. Quand je le rencontrerai... Laissez, c'est à moi de me charger de ça. Ici, c'est une ville paisible. J'y fais régner l'ordre, le respect et la loi. Ah. Par contre, on condamne une femme pour un délit qu'elle n'a pas commis. Dites-moi, c'est ça que vous appelez l'ordre, le respect et la loi? Je ne permettrai pas à qui que ce soit de venger une mort accidentelle dont personne n'est responsable. Tout le temps que vous demeurerez ici, agissez comme un ami. Ah. Un ami de qui? De ceux qui l'ont persécuté jusqu'à la mort? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je ne pouvais pas te laisser seul. Tu vois bien qu'il ne s'est rien passé. Oui, bien sûr. Ça, je l'admets. Seulement, ne va pas croire que cette mort nous laisse tranquilles. Avec ça, maintenant, c'est terminé. Ne crois surtout pas que je vais me laisser soutirer de l'argent. Mais vous m'avez demandé un service, je vous l'ai rendu. C'est juste que vous me récompensiez. Ma déposition vous était précieuse. Tu vas me laisser tranquille. Tu n'es qu'un bandit et un sale voleur. Possible, mais je vais avoir besoin de beaucoup d'argent pour n'avoir plus de remords de conscience. Je ne veux plus te voir ici. Va-t'en et ne reviens jamais plus. Oui, madame, je suis à vos ordres. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Je préfère que tu dises la vérité au lieu de continuer ainsi. Va-t'en d'ici!
voulez-vous de moi? Qu'allez-vous faire? Dis-moi, c'est bien toi qui as découvert le cadavre? Oui, ce matin quand je suis entré dans la maison. On m'a dit que dernièrement tu avais dépensé beaucoup d'argent dans le pays. Ben, peut-être, oui, j'ai des économies. Dans ta chambre, nous avons trouvé ça. C'est toi aussi tes économies? Réponds, d'où vient cet argent? Ma maîtresse me l'a donné, c'est pas interdit. Te l'a donné? Avoue la vérité. Tu l'as assassiné pour la voler. Non, je vous jure que non. C'est elle qui me l'a donné, c'est vrai. Et pourquoi? Pour un service que j'ai rendu. C'était sûrement un grand service pour te payer tant que ça. Tu vas tout me dire immédiatement, sinon crois-moi, tu seras pendu. Tu l'as certainement vu tirer sur Joey. N'est-ce pas? C'est elle qui l'a abattu. Non, c'est pas elle. Nous ne savions pas qui l'a tué. Ma maîtresse jalouse m'a joué la comédie parce qu'il voulait l'abandonner. Pour se venger, il m'a obligé à déclarer que moi, j'avais vu Cathy qui tirait. C'était ça, le service. Oui, c'est vrai, shérif. Mais tu as osé faire un mensonge pareil et laisser condamner une innocente. Tu mériterais que je te fasse pendre tout de suite. Ne bouge pas d'ici. Si tu cherches à fuir, je te retrouverai où que tu sois et je t'abattrai comme un chien. Oui, shérif. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tu n'avais donc pas remis à Irène son reçu pour argent déposé? Allons, donne-moi ça. Pourquoi viens-tu ainsi fouiller dans mes affaires? Écoute-moi, tu n'as rien vu, c'est compris? Crois-tu vraiment obtenir le résultat que tu cherches? L'avoir déchiré ne te servira strictement à rien. Tu oublies que quand Irène est venue déposer cette grosse somme d'argent, Jim était avec elle. En effet. Oui, c'est exact. Jim était là. Je crois qu'il a été tué par Frank Dalton. Je me demande quel motif aurait pu le pousser à cela. Ah, si c'est vrai ce que Cathy a dit à Paul en mourant, Hélène et son domestique auraient fait un faux témoignage et Frank aurait voulu se venger. Toute sa vie, il n'a pensé qu'à ça. Rappelez-vous la chanson qu'à présent, personne n'osera chanter. Comment dis-tu? Si tu me payes une bouteille de whisky, je la chante, moi, oui, tout de suite, si tu veux. Oh, eh ben, c'est d'accord, je te paie la bouteille, mais pas ton enterrement. Pour une seule bouteille de whisky, je serais capable de chanter à mes propres funérailles. Mes amis, on a tiré 4 balles alors que la volonté de Dieu soit faite. Balazos a las 2 de la mañana. Lo fui a matar en tus brazos. Sabía que allí lo encontraba.
No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. Le dio la corazonada. Se me embaló la pistola, te salvaste de la muerte. Todavía no te tocaba, oh, fue tu noche de suerte. Yo tuve que irme pa'l monte y allí me volví rebelde. Y allí se volvió rebelde. Yo sé que quieren matarme, que la ley me anda buscando. Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo, pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando. Se piensa morir peleando. Ne recommence jamais à chanter cette chanson. Tu m'entends? Oui, monsieur, si vous me payez une autre bouteille de whisky, oui, je la chanterai plus. Whisky. Que se passe-t-il? Si vous parliez de moi, vous pouvez continuer. Nous étions en train de parler de l'assassinat d'Hélène. Un autre whisky. Et on sait déjà qui peut bien être l'assassin? Non. À vrai dire, ça regarde le shérif. Servez donc à boire à tout le monde. Je veux les inviter tous à trinquer pour le très brillant shérif de votre pays. Cet homme qui a déjà sur les épaules deux crimes qui ne sont pas éclaircis. Sans parler d'une innocente condamnée. Non, moi je ne prends rien. Qu'est-ce qui vous prend? Ça ne vous plaît pas de trinquer? Non, ça ne me plaît pas. Et peut-on savoir pourquoi? Parce que Paul est mon ami. Et parce que ça ne me paraît pas courageux de le critiquer quand il n'est pas là. Par contre, je vois qu'il existe un homme vaillant qui répond pour lui. Buvons donc à la santé des lâches qui ont besoin d'avoir des amis plus courageux qu'eux pour les défendre. Non, vous ne me referez pas ce coup-là une autre fois. Rengainez votre revolver. Jamais je ne rengaine mon arme quand j'en vois une autre dégainer. Vous avez compris, Dalton? À présent, oui. Je vous ai dit que je ne voulais aucune violence ici. Je vous donne 24 heures, pas une de plus, pour quitter la région. Vous chassez du pays un homme qui, après tout, peut être suspecté de l'assassinat d'Hélène. Je sais que ce n'est pas vous. Espérez-vous que je vais vous remercier? Non. Non, ce n'est pas utile. Je vous répète que je vous donne 24 heures pour quitter cette ville. Il peut se passer beaucoup de choses en 24 heures, pas vrai? Juste un moment, je suis là parce que je dois faire une déposition. Et contre qui? Eh bien, contre mon fiancé. Parfait. Si je comprends bien, on va me demander de l'arrêter. Et de quoi est-il accusé? Abandon de fiancé. Je suppose que ce doit être probablement puni par la loi. Oh, ma foi, non. Oh, pourtant, je trouve que c'est une faute grave que de ne pas venir à ces rendez-vous et d'être aussi peu affectueux. Et quoi encore?
d'être embrassée aussi peu souvent. Juste le minimum pour ne pas être mufle. C'est bien. Tout cela me paraît assez grave. Nous allons le châtier. Paul, tu étais invité à dîner à la maison et tu n'es pas venu. Tu as raison. Mais tu sais bien tout ce qui s'est passé. Et le pire, c'est que je ne sais pas par où commencer. Qui peut avoir des motifs valables pour assassiner Joey et puis Hélène? Pourquoi les a-t-on tués, dis-le-moi? Quelqu'un qui voulait l'empêcher de s'en aller avec Cathy. Quoi, que veux-tu dire? Et ce quelqu'un a tué de sang-froid Hélène parce qu'elle a fait un faux témoignage provoquant la condamnation et la mort de Cathy. Tu penses que Frank... Non. Dalton n'était pas là quand on a tué Joey. Bien qu'après tout, il ait pu venir lui aussi sans que personne ne le sache. Et si c'est comme ça, il va encore se venger. Mais de qui? Jim, le domestique d'Hélène, a dû nous mentir. C'est vous? Hey, fiston, est-ce que tu as vu Mick, le patron du magasin? Oui, il doit se trouver au saloon, là. Merci.
Que s'est-il passé, Paul? J'ai su que tu étais sorti du pays au triple galop. Richard, va-t'en avec deux hommes jusqu'au ranch d'Hélène. Vite, on vient d'assassiner Jim. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ce pauvre homme? Qu'a-t-il pu faire de mal? Au premier, Hélène. À présent, Jim. Tu avais raison. Tous les deux ont accusé Cathy. Et tu soupçonnes quelqu'un? Le criminel s'est enfui, je n'ai pas pu voir son visage. Je parierais que c'était Frank Dalton. C'est possible, les faits semblent bien le confirmer. Je vais t'accompagner. Non, va plutôt jusque chez Margaret. Dis-lui que ce soir, je ne pourrai pas aller la voir. Comme tu voudras. Dis-moi, es-tu certain de ne pas avoir besoin de moi? Non, merci. Cette histoire ne regarde que moi. Allô? Salut. Hé, hey, Mick. Un moment. Qu'y a-t-il pour votre service? À présent, je sais qu'il procure régulièrement de l'alcool aux Indiens. Et pourquoi venez-vous me le dire à moi? Bah, rappelle-toi de ta peine pour un certain délit que tu avais commis une fois. Ce n'était pas moi. Vous étiez très mal informé. Fais attention, c'est tout. C'est un simple avertissement. Non, je ne veux pas recommencer. Oui, on dit toujours ça. Le shérif est au courant de tout. Tu vois jusqu'où ça pourrait te mener. Margaret n'est pas là. Elle est allée chez ma fiancée, lui rendre visite. Je lui apporte un message de Paul. Je vais y aller. Bonsoir, docteur. À très bientôt. Que cherchez-vous donc? Je suis venu ici pour me faire payer une dette. Qu'est-ce que je vous dois? Votre mort, pour avoir fait condamner une femme innocente. Par hasard, je viens de trouver une lettre que vous avez osé envoyer à ma sœur. Et vous la menaciez parce qu'elle ne voulait plus vous voir. Je ne me trompe pas? Mais je vous jure que non. Non, ne me dites pas le contraire. Quand vous avez su qu'elle s'en allait avec cet homme, vous l'avez tué, je le sais. Vous avez été capable après de la faire condamner pour un délit qu'elle n'avait jamais commis, n'est-ce pas? Haut les mains! J'ai dit haut les mains, Dalton. Marchez jusqu'à la porte. Calme. Il paraît qu'on vient de tuer le procureur. Où ça? Viens. Un shérif. Ce qui est certain, c'est que personnellement, je ne suis pas dans le coup. Allez jusque chez le juge et dites-lui ce qui vient de se passer. Ouais.
Quelle meilleure preuve vous faut-il contre ce criminel? Tandis que nous nous disputions, lui, il a continué son œuvre. Pourquoi a-t-il fait ça? Cette explication, lui seul, devrait pouvoir vous la fournir, si toutefois vous pouvez le retrouver. Je le retrouverai, même si je devais aller le chercher à l'autre bout de la terre. Allez, allons-y. Attendez. Je vais seul à sa poursuite. Pourquoi? Parce que vous ne lui donneriez pas le temps de s'expliquer. Et après, que vous importe? Pour moi, c'est le frère de Margaret. Bon, très bien. J'attendrai jusqu'à demain matin. Si d'ici là, je ne vous ai pas vu revenir avec lui, alors c'est moi qui irai le chercher. À présent, c'est à moi de vous donner quelques heures de délai. Ne m'oblige pas à tirer sur toi. Ne fais pas un pas de plus, ne bouge plus, Paul. Descends, Albert. Du calme. Viens, je te dis. Je ne suis pas un assassin, Paul. Viens. Viens, Albert. Tu n'as pas le droit de m'arrêter. Il faut que tu viennes avec moi. Tu prouveras ton innocence. Viens. Je te l'ordonne. Baisse ton arme, Albert. Pourquoi t'es-tu enfui? Parce que j'ai peur, Paul. J'ai peur, comprends-moi, que l'on découvre que j'ai aimé Cathy, que l'on puisse m'accuser, parce qu'au procès, j'ai dit que je ne la connaissais pas. Et j'ai peur aussi de la vengeance de Frank Dalton, qui me cherche pour me tuer en croyant que c'est moi l'assassin. J'ai écrit à Cathy une seule carte. Je voulais la voir. Pour moi, ce n'était qu'une aventure. Tu sais très bien que je dois me marier. Et en fuyant, tu crois sans doute tout arranger. Il faut que je t'arrête, Albert. Toi aussi, tu me crois coupable? Je fais simplement mon devoir. Donne-moi ton revolver. Maintenant, monte sur ce cheval. Albert, si tu savais comme je suis préoccupée, que t'est-il arrivé? Que se passe-t-il? Tu vois, je suis arrêté. Mais pourquoi? N'aie crainte, tout s'arrangera. Pour le moment, ils pensent que peut-être je suis l'assassin que l'on recherche. Et tu as osé l'arrêter? Tu es capable de croire mon propre frère coupable? Désolé, je dois faire mon devoir. Et ton devoir peut te faire oublier tous tes amis, tous tes sentiments. Je t'en prie, Margaret. Comprends qu'il ne peut faire autrement. Mais tu le connais. Il était ton ami. Tu sais bien qu'il n'est pas capable d'un tel méfait. Est-ce que tu n'as pas un peu de cœur? Comment peux-tu agir ainsi? Je te le répète, je suis désolé. Viens.
enferme-le. Allez. Désolé, désolé. Tu ne sais pas dire autre chose. Pourtant, ce n'est pas vrai. Non, tu ne regrettes rien. Une seule chose t'intéresse, ta vanité, ton orgueil. Oui, tu désires seulement que tout le monde admire un important shérif. Pour moi, tu n'as aucune valeur, tu m'entends? Non, tu ne vaux rien, absolument rien. Vois-tu, l'unique chose que je regrette maintenant de toute mon âme, c'est d'avoir pu t'aimer. Tout aussi vrai que je te déteste maintenant. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Margaret a bien raison, le devoir a tout de même des limites. Voyons, si tu n'es pas certain qu'Albert est l'assassin, pourquoi donc l'arrêter? Dis-moi, quelle sorte d'homme es-tu? Est-il possible que ton autorité puisse t'aveugler à ce point-là? Ça suffit, j'en ai assez supporté. J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire. Et je n'ai d'explication à donner à personne. À présent, va-t'en, laisse-moi en paix. Va-t'en! Mais... Qui a pu te changer ainsi? T'en as pour longtemps? Dans une demi-heure, j'aurai terminé. Shérif! Shérif! Je voulais simplement vous dire au revoir. Je vais m'en aller à l'aube. Et où comptez-vous aller? Je ne sais pas. Je suis heureux de vous voir partir d'ici sans avoir fait scandale. C'est à vous que je le dois. Vous avez su imposer votre autorité en arrêtant l'assassin sans tenir compte qu'il s'agit du frère de votre fiancé. Et si je ne l'avais pas arrêté? Alors j'aurais dû faire valoir ma loi. Plaise à Dieu qu'un de ces jours nous nous retrouvions à nouveau. Suivez mon conseil, rentrez dans le droit chemin. Les aventuriers ne durent pas longtemps. Un conseil pour vous aussi. Vous devriez faire un autre métier. Les shérifs, ça meurt souvent trop jeune. Le plus important, c'est que tu sortes d'ici. Je suis vite allée voir le juge et lui-même m'a recommandé de m'entretenir avec le gouverneur. Ne te préoccupe pas. Nous obtiendrons ta liberté. Maintenant, je suis tranquille. Ma grande consolation, c'est de savoir que tu crois en mon innocence. Et tout le monde y croira bientôt. Tout le monde. Margaret, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Il faut que tu comprennes. Comment? C'est toi qui me parles de compréhension? As-tu seulement bien compris ma douleur? La disgrâce et puis la honte que tu as fait rejaillir sur notre famille. Aie confiance en moi. Oui. La même que tu portes à mon frère. Je tiens à ce que cette nuit, on surveille avec vigilance toutes les rues du pays. Moi, je resterai ici sur mes gardes. Surveiller? Pourquoi faire, puisque Skip est déjà prisonnier? Je ne t'ai pas demandé ton opinion. C'est un ordre. Et quand tu parleras de lui, dis docteur. Ah, bien, shérif. Je voulais te dire que je suis désolé de la réaction de Margaret. Ne t'en préoccupe pas. Désires-tu quelque chose? Oui. Que tu découvres le coupable.
Qu'y a-t-il? Mais que voulez-vous? Non, n'approchez pas! C'est vraiment lamentable que nous ayons eu besoin d'un nouveau crime pour pouvoir prouver enfin l'innocence d'Albert. J'ai tout fait pour l'éviter. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre un ennemi qui est invisible. Qu'est-ce qui vous fait donc penser que c'est la même personne qui doit commettre tous ces assassinats? La cruauté qu'il a fallu pour les exécuter dénote bien le cerveau sadique d'un seul et même assassin. Et tous répondent, croyez-moi, à une seule et même raison. C'est la vengeance pour la mort de Cathy. Mais pourtant, personne n'est responsable de sa mort. Contre qui alors veut-on se venger? Contre Hélène et son domestique qui ont fait de faux témoignages. Et contre les jurés qui dictèrent sa condamnation. C'est pour ça que je vous ai réunis ici. Pour vous prévenir dès à présent que vous êtes tous suspects, sans exception. Un moment, Paul. À ce propos, Frank ne t'avait-il pas dit qu'il se vengerait? Dalton se trouvait avec moi lorsque le procureur a été assassiné. Vous devriez pourtant vous souvenir que lors du vote secret que vous avez fait durant le procès de Cathy, quatre d'entre vous l'ont déclaré coupable et deux innocentes. L'hôtelier est mort. Il est absolument évident qu'il avait dû la déclarer coupable. Je voudrais savoir quels sont ceux d'entre vous qui la déclarèrent innocente. Qui sont les auteurs de ces deux votes? Eh bien, moi, je l'ai déclarée innocente. Je m'en doutais. Et quel est l'autre? Je veux la vérité. Et je l'ai déclaré coupable. Et moi aussi. J'ai voté coupable. Moi aussi, j'ai voté coupable. Non, je sais que l'un de vous quatre a menti. Parce que justement, son vote était celui de l'assassin. Comment, l'un d'entre nous? Oui, ça ne peut être que l'un de vous. Dites-moi où vous étiez, vous, lorsqu'on a assassiné le procureur. Je ne sais pas, je crois que je dormais. Vous, où étiez-vous donc quand on a assassiné Hélène? Ce jour-là? Oui. Oui, bien sûr que si. Ce jour-là, j'étais à San Geronimo. J'étais allé faire quelques courses pour le magasin. Mais quelqu'un vous a vu? Probable. Oui. Mais des gens que je ne connais pas. Et qui ne me connaissent pas non plus. Oui. Et vous, quand a eu lieu le crime hier au soir, où étiez-vous donc? J'étais à la banque. Oui, pour vérifier la balance. Et j'y suis même resté une bonne partie de la nuit. Et naturellement, personne ne vous a vu, pas vrai? Oh, Paul, tout ceci est par trop absurde. Et toi, John, où étais-tu? Tu devrais bien le savoir. Je suis allé là où tu m'as envoyé. C'est très curieux. Je vous ai tous interrogés et pas un d'entre vous n'est capable de pouvoir prouver exactement où il se trouvait lorsqu'ont été commis tous ces crimes. Je n'ai plus aucun doute. Je suis sûr que l'assassin est bien parmi vous. Il convient donc que chacun d'entre vous prenne ses précautions. Quel que soit l'assassin, je veux que vous me compreniez bien. Forcément, tôt ou tard, l'un de vous fera un faux pas. Et ce jour-là, il tombera entre mes mains. Vous n'avez pas suivi mes conseils. Vous m'avez contraint à changer tous mes plans en faisant libérer le docteur. J'ai pu prouver son innocence. Vous ignorez que d'autres crimes ont eu lieu depuis qu'il est en prison. Je ne vous croyais pas si ingénu. Vous n'avez même pas pensé qu'il aurait pu acheter quelqu'un pour qu'il puisse commettre d'autres délits et ainsi démontrer son innocence. J'en connais beaucoup d'autres qui ont agi comme ça plus d'une fois. Albert serait incapable de faire une chose pareille. C'est peut-être votre opinion. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord. Pour cette raison, ne vous étonnez pas si je reste quelques jours de plus dans le pays. En tout cas, fais attention. Ma parole, on dirait qu'il veut travir la place de shérif.
Je viens faire ici une dénonciation. Et contre qui? Contre une pauvre gamine idiote qui n'a pas su comprendre quoi que ce soit. Et alors, c'est naturel, cette réaction. Je n'ai jamais cru vraiment à la culpabilité d'Albert. Pourtant, il me fallait bien l'arrêter pour démontrer son innocence. Je voulais te l'expliquer, seulement, tu ne m'en as pas laissé le temps. Et je t'ai insulté. Oui, je t'ai dit des choses tellement injustes. J'en suis honteuse à présent. Pardonne-moi, veux-tu, je t'en supplie. Non, je n'ai rien à te pardonner. Je voudrais te demander une faveur. Éloigne-toi du pays pour quelque temps. Tu devrais aller à San José voir ta famille. Dis-moi pourquoi. Comment pourrais-je te laisser en un pareil moment? Parce que pour moi, c'est nécessaire. Il ne faudrait surtout pas me cacher quelque chose. Il n'existe pas d'autre raison que tu refuserais de me dire. Tu t'es méfié de moi. Il est préférable de nous quitter quelque temps. Je comprends, tu ne m'as pas pardonné. Il ne s'agit pas de pardonner. Il faut d'abord retrouver la confiance que nous n'avons plus. Ce n'est pas autre chose, crois-moi. C'est très bien. Je ferai ce que tu voudras. Et je m'en irai demain. Je compte sur toi. Et elle a pu croire un tel mensonge? Oui. Mais j'imagine que ça a dû être très dur. Ce qui m'a fait le plus mal, ce fut de la faire souffrir. Pourtant, c'était nécessaire. Demain, elle s'en ira à San José, elle y retrouvera sa famille. Et pendant ce temps-là, j'espère en terminer. Je dois retrouver l'assassin. Ce qui me préoccupe, c'est que je crains qu'il ne se venge cette nuit. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour te demander un service. Oui, dis-moi. Surveille la maison de Margaret. Si tu vois quelque chose de suspect, tu tireras deux fois. Moi, j'assurerai la ronde avec mes gens. Comme tu voudras, Paul. Veux-tu que je parle à Paul? À moi, je crois qu'il dira la vérité sur ce qui se passe. Non, merci. Et s'il me garde rancune, le mieux est que nous ne nous voyons pas durant quelque temps. Je vais faire mes bagages maintenant. Ça vient de sa chambre. Que s'est-il passé? C'était l'assassin. Tu as pu le voir? Non, par là, par cette fenêtre. John est sur les traces de l'assassin. Par ici. Il s'est enfui par là. Essayez de le rattraper. Allons-y. N'est pas trop grave? Non, non, c'est rien. Ah, tu peux voir qui c'était? Ouais. Frank Dalton. Va te faire soigner par Albert.
avez donné des ordres pour que tout le monde reste en sécurité chez soi. J'ai fait juste une commission. Il le fallait. Je n'avais presque plus de tabac pour ma clientèle. D'où provient cette terre rougeâtre sur tes bottes? C'est que... j'ai dû passer par le petit sentier et... Ouais, nous en reparlerons demain. Que voulez-vous? Je viens vous chercher, Frank Dalton. Je sais que vous êtes très rapide pour tirer, cependant j'aurai le temps d'appuyer sur la gâchette avant vous. Pourrais-je savoir pour qui nous allons nous descendre? Pour tous ces horribles assassinats que vous avez commis ici. À présent, je possède toutes les preuves formelles. Ah, je trouve votre affirmation assez étrange. À propos, je crois que nous étions ensemble quand on a tué le procureur. Oui. Pourtant, vous-même m'avez donné la solution. C'est très facile d'acheter n'importe qui pour commettre un délit et démontrer ainsi sa propre innocence. Écoutez, shérif. Je n'ai jamais eu peur ni de tuer ni de mourir. Pourtant, ce serait vraiment très dommage que nous nous envoyions mutuellement quelques rafales de plomb alors que l'assassin est encore libre. Si toutefois vous tenez à ce que nous nous entretuions. Pourquoi ne tirez-vous pas? Lorsque je suis obligé de tuer, c'est toujours pour me défendre personnellement. Je n'ai pas de raison de le faire à présent. Bien. Je crois que vous n'êtes pas de ceux qui ont coutume de tirer dans le dos. Où avez-vous trouvé cette montre? Mais elle était dans les affaires de Cathy. Pourquoi me demander ça? J'aimerais l'examiner de près. C'est une simple égratignure. Il n'est pas aussi bon tireur que ça, le fameux Frank Dalton. Es-tu bien sûr que c'était lui? Il y avait évidemment peu de lumière dans la rue, il était assez loin de moi. Mais lorsqu'il s'est retourné pour tirer, je l'ai vu de face. Je suis très préoccupée pour Paul. Est-ce que tu l'aimes encore? Oui, bien sûr. Et lui aussi, il t'aime. Tout ce qu'il t'a dit n'était que des mensonges pour pouvoir t'éloigner parce que Frank Dalton avait l'intention de te tuer. Sa vie est peut-être en danger? Non, non, ça je ne le crois pas. Ils n'ont pas pu le rattraper, il avait beaucoup trop d'avance sur eux. De toute manière, à présent, je vais m'en aller voir Paul. Merci pour tout, Albert. Et Margaret, va dans ta chambre. Repose-toi, il n'est plus nécessaire que tu t'en ailles. Oui, si tu veux. Albert. Oh, Paul. Il faut que tu saches que la blessure de John provient d'un coup tiré à bout portant. Que veux-tu dire, Albert? Ce n'est pas possible que ce soit Frank Dalton. Que se passe-t-il? Albert. Il est mort. Albert est mort? Mais alors, qu'est-ce que tu attends pour arrêter Frank Dalton? C'est bien la montre que t'avait donnée mon père. Te rappelles-tu? Où est-ce que tu l'as trouvé? Parmi les affaires de Cathy.
J'ai dû la perdre. Je ne sais pas comment elle pouvait bien se trouver entre ses mains. Tu viens de tuer Albert, mais tu l'as fait trop tard. Il a eu le temps de parler. Lorsqu'il a soigné ta blessure, il a relevé des traces de poudre sur ta chemise. Le coup avait été tiré à bout portant, et tu as prétendu que Dalton était alors à plusieurs mètres de distance. Tu étais mon ami, Paul. Il faut que tu essaies de me comprendre. Cathy. Cathy. Sais-tu véritablement qui elle était? Écoute, tu me connais bien. Tu sais que je n'ai jamais été capable de faire du mal à qui que ce soit. Lorsque j'ai connu Cathy, c'était pour moi comme si tout à coup j'en vivais. Personne ne savait rien de notre liaison. Je la comblais de cadeaux. Nous aurions pu être heureux tous les deux. Seulement, elle paraissait prendre plaisir à me faire souffrir. Elle jouait avec moi. Et cela ne faisait qu'augmenter la passion qui m'obsédait. J'étais devenu jaloux, c'est vrai, follement jaloux, oui, mais... Puis un jour, j'ai eu la certitude qu'il y avait un autre homme dans sa vie. Je dis à Cathy que je m'en allais. Que je serais absent 2 ou 3 jours. Et cette nuit-là, je me suis posté en face de chez elle. J'étais convaincu que l'homme que je soupçonnais en profiterait pour venir. Dès que j'ai entendu ses pas, je me suis caché. Je n'ai pas eu grand mal à reconnaître Joey. Pour moi, son sort était décidé. J'ai attendu qu'il sorte de chez Cathy, et je l'ai tué. Et lui mort, j'étais certain de pouvoir la persuader de ne pas m'abandonner. Elle serait sûrement restée avec moi. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était la possibilité d'un jugement. Un jugement au cours duquel elle serait accusée et condamnée. Et quand Cathy est morte, j'ai pris la décision de tuer tous les jurés qui avaient été la cause de sa mort. Tu n'as pas pensé qu'un jour ou l'autre, tu ferais un faux pas qui te perdrait. Tu es mon ami. Laisse-moi partir. Je te promets à l'avenir de ne plus faire parler de moi. Je ne reviendrai plus jamais. Nous étions comme des frères, tous les deux. J'ai peur maintenant, Paul. Il faut me laisser m'en aller. Pourquoi ne réponds-tu pas? Donne-moi ton revolver. Ne bouge pas, Paul. Allez, les mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Ouais, le devoir. Tu as toujours fait passer le devoir avant toute chose. Après tout, tu es le seul témoin. Si je te tue, personne ne saura la vérité. Ne bouge pas, surtout. Je ne veux pas te tuer, Paul. Non, je veux pas faire ça. Ne crains rien, je veux pas te tuer, Paul. John, arrête-toi! T'échapper. Tu es fou, John. Remets-moi ton revolver. Viens ici. Remets-moi ton revolver. Laisse-moi m'approcher de toi. Ne tire pas, John. Thank you.
ne tire pas. Paul, pardon.